Prime, sous pression. La compétition s'accélère. Ils vont devoir faire leurs preuves en direct sur scène avec Sylvie Vartan, James Blunt, Yael Naïm, Vita, Yael, le gagnant de la Star Academy 6, Cyril Sinelu, et une rencontre étonnante entre Bertrand et Pierre Perret. Je marche seul, sans témoin, sans personne. Star Academy, ce soir à 20h50, en direct sur TF1. Ce soir, spectacle, émotion, avec Sylvie Vartan, s'il vous plaît. Ce soir, dans Star Academy, les stars sont à l'honneur. La plus américaine des chanteuses françaises, Sylvie Vartan. 40 ans de carrière, 35 millions d'albums, la belle Sylvie est rentrée dans la légende. Ce soir, elle est avec nous. Le grand retour du gagnant de la Starac 6, Cyril Sinelu. 50 ans de carrière, un cœur gros comme ça, Pierre Perret. La nouvelle voix soul, Yael Naïm. La jeune chanteuse révélation de l'année, Vita. Elle cartonne avec À cause des garçons, Yael. Pour vous, mesdemoiselles, James Blunt, 11 millions d'albums en 3 ans, la star anglaise dans quelques minutes, sur le plateau de la Star Academy. Showtime à la Star Academy. Place au spectacle avec une artiste qui rime avec élégance et charisme naturel. Une idole qui reste à jamais la plus belle pour aller danser. Sylvie Vartan invite Alexia pour le premier duo de la soirée. Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Sylvie Vartan, Alexia, merci de leur faire un triomphe. Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Qu'est-ce qui fait tourner le monde? Moi je ne me plains de rien. On verra bien demain. Je sais qu'il y a du grand dans les moulins. Je veux bien le pain. Je ne suis pas très sage. J'ai oublié mon âge. La pluie ne m'a jamais mouillé. C'est pas toi qui va commencer. Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Qu'est-ce qui fait tourner le monde? Et refleurir les lilas? En tout cas, ce n'est pas toi. Qu'est-ce qui fait chanter les brunes? Qu'est-ce qui fait changer la lune? Qui me fera souffrir? C'est pas toi qui peux le dire. Je descendais. J'adore les voyages, je patine et je nage. On peut me faire rouler voler, pas moyen de me faire marcher. Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Qu'est-ce qui fait tourner le monde? On peut pleurer les lilas, en tout cas ce n'est pas toi. Qu'est-ce qui fait chanter les brunes? Qu'est-ce qui fait changer la lune? Qu'est-ce qui me fera souffrir? C'est pas toi qui peux le dire. Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Qu'est-ce qui fait changer le monde? Elle veut rire les lilas. En tout cas, ce n'est pas toi. Qu'est-ce qui fait chanter? Oh,
Sylvie Vartan ouvre le bal. Bonsoir Sylvie. Bonsoir tout le monde. Hello, hello. Sylvie avec son public et Alexia. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Nikos. On est tellement content de vous accueillir. Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Oh, tellement de choses. C'est pas Sylvie en tout cas. Nos étudiants et le public est toujours là. Vous savez que... Je dois dire que votre public est génial. Ils ont réservé depuis 6 mois. Ouais. Ça fait 6 mois que... Ils connaissaient la date du Prime, ils ont dit Sylvie Vartan, on était là, ils m'appelaient jour et nuit, on m'a harcelé pour des places sur le Prime ce soir. Vous savez que commencer l'émission, chanter avec vous, tout le monde admire votre carrière ici, c'est énorme, c'est beaucoup. Merci d'avoir donné, merci de garder votre enthousiasme et surtout votre professionnalisme. C'est un plaisir. Merci. Sylvie Vartan avec merci nous ce Alexia, soir, vous restez avec nos élèves. Ça vous dirait de rester un peu avec nos élèves? Oui, absolument. On va faire connaissance avec eux. Maureen, je vous en prie. Maureen, Mathieu et Alexia. Alexia, qui est d'ailleurs Bonjour. Deuxième du classement. Bonsoir. Pour le connaître un peu, je sais qu'il est ému. Je sais qu'il avait besoin de retrouver ici sa famille de la Starac. Eh oui. Ça fait du bien, hein. On est fiers de ton parcours, mon garçon, de ton premier album, dont on va découvrir le premier titre tout à l'heure. T'as pris le temps pour faire le disque que tu voulais, ça t'a manqué. Tu nous as manqué aussi, tout de suite, mesdames et messieurs. Un duo de voix puissantes. Maureen est la première académicienne à être notée. Est-ce que Maureen va confirmer l'exploit réalisé face à Alicia Keys, qui était à ta place la semaine dernière? Cyril Siné, lui et Maureen reprennent Hero. Hero. Une chanson de Mariah Carey. Lâche-toi, comme si c'était le premier jour. Ton public est là. C'est parti. Fais-toi plaisir. Maureen. Cyril. See the truth, that I hear.
Orchestration signée David Berland, en direct. Mathieu Gonnet au piano, sous les applaudissements du public. Il est avec Sylvie Vartan. S'il vous plaît, Sylvie Vartan, notre invité d'honneur aujourd'hui à la Starac. À la Star Academy, il ne faut pas dormir sur... Il est 5h, Paris s'éveille. Sylvie Vartan revisite des chansons des années 60 avec... Jérémy. Allez. Il est le dauphin de la place Dauphine et le printemps un mauvais ami. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café dans les tasses, les cafés nettoient leur place. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regarde les cars, les boulangers font des bâtards. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je veux me coucher. Il est 5h, Paris s'éveille. Il est 5h, je n'ai pas de sommeil. Merci, Jérémy. Merci beaucoup. Sylvie Vartan d'avoir accompagné nos étudiants ce soir. Merci du fond du cœur. Merci. Ça vous a plu? Ouais, c'était très sympa. Vraiment. À partir du 5 Excellente février. Ambiance. Je les emmène avec moi. Hein. Ben, ils sont parfaits. À partir du 5 février 2008, Sylvie Vartan, vous présentez un tout nouveau spectacle mis en scène par Tony Scotti sur la scène du Palais des Congrès de Paris. Puis en tournée dans toute la France. Et dans ce spectacle, il y aura bien sûr vos tubes incontournables, mais aussi des reprises des chansons des années 60 que vous venez de reprendre dans votre nouvel album intitulé Nouvelle Vague, toujours dans les bacs. Oui, oui, oui. Donc, et puis dans ce spectacle, il y aura une petite surprise, c'est-à-dire que ceux qui viendront pourront me demander les chansons qu'ils veulent à travers un jukebox, la magie. Demandez la chanson que vous voulez, Sylvie Vartan. Chanson à la carte. Ouais. Dans toutes les bonnes librairies, il y a votre livre Dans la lumière, toute l'histoire de vos tournées, ainsi que de jolies photos. Du fond du cœur, merci Sylvie, merci beaucoup. Merci à vous, merci Jérémy, bonne chance. Vraiment un grand moment. Merci. Jérémy, il a donné ce soir et il est content. Tout à l'heure, il va chanter sa propre composition. Une standing ovation, s'il vous plaît, pour Sylvie Vartan. Bonsoir, madame. Bonsoir.
petite mise au point au château cette semaine. Jérémy et ses camarades ont quelque peu, il faut bien le dire, reproché à Bertrand.